Bonjour à tous, ici Sprulex pour ce 23e épisode de Let's Play sur Creativerse. On va continuer l'ameublement, de quoi rendre les lieux un peu plus beaux, un peu plus propres. Et j'étais occupé de réfléchir à certaines choses. Donc déjà ici, il manque un peu de verre qu'on pourra utiliser, qu'on pourra faire avec... Le craft quelque part ici. Non, on va pas faire avec du block of goo, mais avec tiens, je ne le vois plus. Ah, le voilà, le green tourmaline glass. Pour ça, il faut faire un tourmaline glace. Le tourmaline glace, il me faut du tourmaline. Donc on va trouver. Ici. Inventaire plein, il faut que je vide. Bon, allez, je vais vider ici. Mettre deux trois choses, mur en fer. Bon, on va récupérer quand même tout ce qui peut être mis. Yep. Voilà, et on va le mettre là. Tiens, j'ai plus ma tourmaline. D'abord, voilà, on débloque certaines choses. Tiens, il me faut des barres de fer, donc on descend et on va faire un peu. Voilà, on va ranger tout le reste. Alors, tout ça c'est très bien. Ok. Pour le moment, en tout cas, c'est très bien. Toujours pas. Je vérifie. Qu'il n'y a plus rien. Ok. Donc ici, j'ai toujours pas d'idée de ce que je vais mettre. Donc là, on peut boucher. Il me faudra pas mal de fer si je veux faire des barrières en métal. Donc, je vais récupérer donc les lingots de fer, les minerais de fer, du charbon. Alors. Du charbon, du minerai de fer, barre de fer, lingot de fer. On prend pas l'acier. Ok, alors ici, on prend ça. Ok, on va faire du lingot. Très bien. Là, on peut faire un peu de tourmaline verte. Voilà. Très bien. Alors, je réfléchis à ce qu'on peut encore faire.
D'abord les barreaux, enfin les barreaux, les grilles. Alors c'est portique, mais il me faut le là ici les barrières en fer. Ok. Quelques lingots. Très bien. Alors, déjà ici. Voilà. Comme ça permet d'éviter de courir et de tomber n'importe comment. Je vais encore en mettre ici au-dessus. Voilà, ici il n'y a pas moyen, donc ça c'est bon. C'est surtout pour ici en fait, hein. Ok. Et même chose ici. Ok. Parfait. On continue. La salle de bain paraît très vide comme ça, hein. C'est bien d'avoir du diamant. Mais elle soigne, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'il nous faudrait donc? Des meubles. Ça c'est très bien, une cheminée, mais malheureusement je ne peux pas le... Je peux pas le faire. Ça, je ne connais pas encore. Il y a pas mal de choses que je peux débloquer. Alors. Je vais... Donc ici, il faudrait une chaise en obsidienne. On va débloquer des choses. Alors, la chaise... Ici, il nous manque des plaques de fer que je n'avais pas pris. Le diamant. Ah, je n'ai plus de plaques de diamant. Et pendant qu'il est occupé de faire des plaques de diamant, on va prendre le dernier qui est le lumite. Faudra que j'en fasse. Eh bien, je vais fondre des lingots de lumite. Ok. Alors au niveau meubles toujours, il n'y a pas d'armoire en tant que telle.
Tiens, il me faut du cuir pour faire un panneau d'affichage d'image. Ça, ce sera bien pour mettre un peu de couleur sur les murs. C'est là pour le cuir. Ok. On va tenter, hein. On verra bien ce que ça donne. Par exemple, on va mettre quelque chose ici. Voilà, l'image d'un moulin. Alors, on a besoin de... Il n'est pas là. Il n'est pas là. Je n'en ai peut-être plus. Des barres de pierre. Ah, je n'en ai plus. Bon, il faut que je retrouve alors ma pierre. Et comme j'ai mis ça un peu n'importe comment, ça va être difficile de le retrouver. J'ai pas envie de le faire avec du limestone ou bien avec du steelstone. Ah, là. Parce que le limestone et le steelstone est beaucoup plus difficile à trouver. En tout cas, beaucoup plus coûteux de l'utiliser. Alors déjà on peut faire ça, ici des barres de pierre. Ok. Alors on peut faire le siège en diamant. Ah, on l'avait déjà. Ah non. Enfin. Non, on n'avait pas encore. Pour le lumite, il me faut encore des plaques de lumite qu'on n'avait pas encore fait. Non, trop. Non, trop. Ok. Alors, en attendant, on peut ranger. Et on va ranger ça très bien hein, pour éviter les problèmes. Donc ici, j'avais du cuir et les globes of goo. Je peux mettre des chaises et des tables. Ici, je vais mettre la chaise en diamant. Pour l'instant, on met la chaise en fer aussi. Allez, la chaise en obsidienne à côté. C'est pas encore le bon endroit, mais au moins ça dégage l'inventaire. Bon, tant qu'on y est. Inventaire plein. Pff, zut. Il me faut virer. Ça, c'est très bien. Comme ça, hop, je prends ça. Non, c'est pas ça. C'est l'architecte chest. Ok, et là-dedans. Je mets tout ce qui est minerai, plaque.
Ok. Minerais, plaques et barres seront là-dedans. Donc les barres de bois aussi, hein, les plaques en bois également. C'est tout. J'arrive à accéder à mon coffre en bois que je vais changer à un moment, mais pour l'instant, ça va. Plaques. Donc là, c'est les munitions. Je vérifie, il n'y a pas de plaque en bois. N'y a pas de plaque du tout de même. Ok, donc il n'y a plus que les plaques de diamant. Et là, pour l'instant, j'ai tout. Ici, bon, on a 10 minerais, les cristaux aussi, on va les mettre. On va devoir mettre des portes un peu partout aussi. Je vérifie. J'ai encore un craft que je peux débloquer. Pour ceux qui se demandent comment je fais pour le voir, eh bien, c'est juste donc en bas à gauche. Vous voyez donc les raccourcis slash pour le store, Q pour le craft. Bon, c'est A sur un clavier AZERTY. Donc, et vous voyez, il y a un petit 1 qui veut dire ben, il y a un objet qu'on peut débloquer. Il est là. Ok, parfait. Tiens, je peux prendre du bundle. Voilà. Alors ici, pas encore de... Alors, qu'est-ce qu'il faut que je débloque? Qu'est-ce que je peux débloquer plutôt? Alors, wood sign pour débloquer stone sign. Hanging stone sign pour le stone sign, ok. Et il faut le wood sign pour le wood plaque. Il faut wood slab et wood rod. C'est très bien, j'en avais. Il faut juste aller les chercher. Je débloque et je débloque. Très bien. Avec tout ça, la plaque, je peux crafter. Le sign en pierre, je peux crafter. Ok, dès qu'on aura débloqué le maximum, ça sera bien. Et on pourra alors faire autre chose. Je regarde le temps quand même parce que ça passe très vite. Ok, je peux faire les portes en lumite. Très bien. Table en obsidienne, il me faudrait de l'obsidienne. Tiens, il y a une bestiole dans le coin. Alors, on repose ici les plaques et les barres.
Parfait. On va continuer à ranger. Dans ces cas-là, je vais... Donc ça, c'est les consommables. Bien, les consommables. Je vais mettre aussi les extracteurs dans les consommables. Je sais pas s'il y en a autre part, s'il y en a là. Parce que les extracteurs, c'est du consommable. Faut dire, tout est quasi consommable, mais quand je dis consommable, ça veut dire utilisation précise, donc les grenades, les extracteurs, ce qui est à lancer et à... Ce qui n'est pas des cubes à récupérer comme ça, quoi. Mais une fois qu'on l'a lancé, ben, c'est détruit. Enfin, une fois qu'on l'a utilisé, c'est détruit. Ok. Je vais mettre ouais, des choses ici. Voilà, plus de place. Les consommables, on les laisse ici pour l'instant. On va déplacer le grand architecte chest. Voilà. On le prend tout de suite. On le met là, ici. On va essayer de prendre le maximum tout en regroupant ce qu'on peut. Voilà, le sable, c'est très bien. Ok. Alors ici, on va laisser ça. Alors, le magnétite, ça on peut. Le corail, on peut. Le woodwall, on va les laisser. Ce sera pour terminer le... la cabane. Je ne vois rien qu'on a déjà pris. Voilà, et ici. Alors, je mettrai bien... je vérifie, hein. Donc ici c'est une petite zone de stockage, mais je vais mettre une zone de stockage, en fait des matériaux. Comment je vais faire ça? Déjà je pose ici le... Là, je vais mettre tout ce qui est en rapport avec la zone de lave. Voilà. Et je vais faire un grand Artec chest, pardon. Pour à côté, donc grand Artec chest. Il me faut quoi? Arkstone, stone slab, stone rod et globe of goo. Donc j'ai besoin de stone slab, globe of goo et l'arkstone que j'ai pas sur moi, que je n'ai plus sur moi. Et il faut que je fasse des stone slabs. Ok. Voilà.
Ah bah j'ai un grand Artex chest ici en fait, déjà. C'est pas grave, hein, c'est pas perdu. On y va et on pose. Voilà. On pose et on met. C'est peut-être pas assez. Non mais. Ok, équipement plein. Je vais mettre plutôt du. Ouais, là c'est un peu plus parlant, mais pas encore assez. Donc on va mettre du bois à la place. Ouais, là c'est parlant. Et on peut mettre tout ce qui est corrompu. Et je vais même mettre une plaque ici s'il faut. Pour bien montrer. Alors, on va voir si on peut faire un nouveau coffre. Même deux. Que je vais aller poser tout de suite. Ce sera beaucoup d'aller-retour dans cet épisode. Voilà, dans lesquels on va mettre. Voilà, tout ce qui est fossile. Là, on va mettre tout ce qui est canyon. Je sais pas plus pour l'instant. Donc on va récupérer. Non, on va d'abord déposer ce qu'on peut. Voilà, une fleur. Des plantes qu'on peut aller déposer. Je regarde ce que je peux prendre. Alors, des matériaux de construction, hein, surtout. Donc, le bois, on peut aussi. Je regarde pour les matériaux de construction bruts. Canyon floor, ça c'est très. Ah, je l'avais déjà en fait. Bon, je vois rien de plus ici. Peut-être en bas. Certainement en bas. Alors, sale troc. Ok, au niveau matériaux bruts, il n'y a plus grand-chose. Ici, canyon floor, détritus, pickstone, sandstone. La neige, on va la garder pour l'instant. J'ai déjà pas mal de choses. On va aller les poser. Donc au niveau canyon. On avait ici du
Enfin, le sandstone, c'est dans le désert, c'est pas. Hein, quoique. Canyon floor. Vous voyez que je m'approche de ça et il y a un peu de corruption. Si je me mets ici, non, il n'y a pas de. C'est vraiment s'approcher, hein. Donc. Pour l'instant, tout ça, ça va. Alors, stalactite. Trouver couche stalactite. 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 Fossile. Stalactite. Océan. Fossile. Lava. Fossile. Voilà, il faut comme ça. Faire des allers-retours. Je vais déposer des choses. Ou peut-être prendre le coffre qui est là. Je vais poser ça là. L'escalier aussi. Pour les munitions, je les mettrais bien ici en fait. Donc il me manque des. Alors on va déposer ce qu'on peut déposer. Voilà. Ici les feuilles. Les feuilles, on va les mettre dans un autre. Feuilles et bois dans le même. Donc ici, il me faut les. Enfin, tout ce qui est consommable. Je vais dire ça comme ça, hein, parce que. Voilà. Tout ce qui est consommable va venir ici. Ok. Comme ça, je peux prendre le grand coffre Arctech et continuer à arranger là-haut. Alors, fossile. Océan. Ça c'est lave. La tourmaline, c'est lave. Ça c'est fossile. Et je vais mettre un bedrock. Ok. Très bien. En attendant tout ça, ça fonctionne. Est-ce que je peux faire encore? Il me manque encore des stones machin. Voilà, on repose. Ok. Trois coffres en plus. On va mettre donc le bois et les feuilles. Je vais mettre le bois dans un et les feuilles dans l'autre. Il me faut
mets du bois comme ça pour bien qu'on voit la différence avec avec le reste. Donc ça ce sera le bois et là-bas ce sera les feuilles. Alors ici, il n'y a pas de feuilles. Là, il y a des feuilles. Voilà, les feuilles, on va mettre les jaunes. Voilà. Très bien. Alors, est-ce qu'on a de la corruption quand on se met ici? Non, c'est très bien. On continue. Explique les paquets cadeaux ici. Les paquets cadeaux, on va les laisser tranquilles pour le moment. Je vais aller voir en bas ce que je peux encore récupérer. Alors, c'est quoi? Molasse. Magnétite, ça on prend. Tout ce qui est pour la surface. On va pouvoir mettre aussi la savane, la savane. Ok. Donc on y est pour l'instant. On met tout ça là. C'est de la neige. Je vais prendre la glace. Vous voyez que c'est beaucoup de rangement, mais on va continuer rapidement après à faire. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Je vais mettre tout ce qui est extérieur. Très bien, je vais mettre de l'herbe. Non, je vais le laisser comme ça. Comme ça, on voit que c'est de l'herbe et de la terre. Tout ce qui est surface. Dans la jungle, taïga, toundra, montagne, savane. Montagne, surface, la neige aussi, la glace également. À la limite, ça aussi. Alors, ce petit cadeau. Ah, j'ai encore du. J'ai encore des choses que j'ai oublié de poser. Donc, ici. J'ai. Voilà. Là, c'est de la terre. C'est en surface. Ok. Fossile et fossile. Fossile, ça va être ici. C'est ça. Très bien.
Alors, les petits cadeaux. Je vais mettre tout ce qui est construction. À proprement parler. Voilà, hein, tout ce qui est vraiment mur déjà fait, toit, escalier. Du sol. Beaucoup, hein. Escalier, mur, mur, mur. C'est du verre, du verre, du verre. Là, du mur. Je sais pas si j'aurai assez de place. Du stalactite que je n'ai pas posé là-haut. Ok, j'ai assez de place. Très bien. Encore ici, escalier. Des feuilles découpées, ça on s'en fout. L'eau et la glace, et je peux mettre un autre cadeau. Le cadeau moyen. Alors déjà ici, l'escalier, la barrière. Ok. Ici, l'eau, la glace, la neige et compagnie, en attendant. Alors voilà, et le cadeau grand, on va le poser. Petit problème de lumière, maintenant c'est mieux. Voilà, et là dedans je mets tout ce qui est en verre et compagnie, hein. J'ai encore des murs en lumite. Et là, c'est bien parce qu'il n'y a plus rien. On va pouvoir continuer un tout petit peu à s'occuper de... des chambres. Donc, dans les chambres, qu'est-ce que je verrai ? Je verrai bien des tables en pierre, comme celle-là, hein. Elle est là. Donc chaque chambre aurait une table en pierre qu'on mettrait ici. Et un tabouret en bois pour pouvoir s'asseoir et travailler sur la table.
Alors, ce que je vais faire, c'est ce healing bacon, il me gêne un peu. Donc pour l'instant, on va le mettre ici, dans le jardin, qu'on n'a pas encore fait d'ailleurs. Voilà, mais il faut vraiment le toucher pour être soigné. Ça, c'est un peu dommage. C'est pas juste être à portée. Enfin, d'un côté, c'est bien parce que les monstres comme ça doivent le toucher aussi, mais c'est un peu dommage. Alors, il y a de la neige. Ici, des escaliers. Oh, il y a encore des murs et... On n'a pas fini. On n'a pas fini du tout. Donc, consommable. Voilà. Ici. Il y a tellement de... Ok, ce conteneur est plein. Le corail, on s'en fout, c'est pas là qu'il doit être. Pour l'instant, ça a l'air ok. Les lumières, allez, lumières, les... Ok, les blocs, c'était là hein, pour le verre et compagnie. Tout ce qui est eau et compagnie, c'était où? C'était là. Non, ici, y a rien. Donc on en était là. Je dois aller récupérer les matériaux de construction. Ici, le bois. Tabouret. Tabouret, tabouret, tabouret. C'est là. Il me faut des stone rods encore. Ok. Ensuite, il me faut... Encore deux tables en bois. En pierre. Table en pierre. Je dois le trouver. On va pas prendre les architectes. Même si c'est beau. Enfin beau. Tout est relatif et chacun son idée du beau, mais. Ok, j'ai pas assez. Il me faudra des stone slabs. Et c'est pour ça que j'ai passé un bon moment à ranger. C'est parce que maintenant, au moins, je sais où trouver mes affaires. Bah, j'avais encore des stone slabs ici, mais je vais en faire quand même. Voilà. Très bien. J'ai trois tabourets et deux tables. Plus la table qui est déjà placée. Allez, hop, ici. Voilà. La même chose ici. Voilà. Et encore la même ici. Très bien. Je vais changer de place la porte que j'avais mis là. Je vais la mettre en bas. Bon, problème de luminosité. De temps en temps, comme ça arrive. La lumière qui veut pas se mettre correctement.
Ah oui, tiens, j'ai encore des choses ici. Alors ici, ce sera que pour la nourriture. Enfin, quoique les consommables, je les mettrais bien ensemble aussi, mais... Non, c'est bon. Bon bah, ce sera un... Ça aura été un épisode rangement. Donc ici, qu'est-ce que je pourrais... Ça, c'est du consommable. Oui, je venais en bas pour poser la porte. Poser la porte ici, voilà. Pour que bah, les monstres n'arrivent plus à rentrer si facilement. Il y a encore deux endroits à fermer. Donc, je disais les consommables. Non, c'est pas ça. Je peux en aller encore ranger. Alors, je peux ranger ici tout ce qui est fossile, 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 fossile. Ok. Ici tout ce qui est surface dans la jungle, surface, sauf le bois, hein, mais vraiment tout ce qui est sol. De surface, donc ça c'est les plaques de terre, ça va aller en bas. Ça c'est canyon. Ça c'est plaque en bois, ça ira en bois. Donc canyon, 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 il est là. Je descends. Il faudra peut-être que je mette. Une barrière. Donc ici, je pose ça, je pose ça, ça, ça et ça. Ok. Là, j'ai un peu de verre. Hop. Je vais même mettre les lampes avec. Voilà. Alors j'ai du bois que j'aurais pu mettre tout à l'heure ici. Voilà. J'ai des consommables à poser en bas et puis ben, on va continuer à regarder ce qu'on a dans les coffres. Bien. Ouais, ici j'ai encore pas mal de choses. J'ai de l'eau. Un cube de glace, on s'en fout. Tiens, ça peut peut-être être jeté les cubes de glace. Ouais, peut être jeté, donc c'est du consommable. Les coquillages, on va les monter aussi. Ça. C'est du consommable pour un événement. D'où tu viens, toi? Non mais... Donc, consommable, consommable. À la limite, le corail. Non, c'est pas vraiment du. Enfin, même si le corail
Et un animal dans ce jeu, c'est plus un bloc de construction, hein. Ok. Oui, mince, mais j'avais les coquillages. Ça, c'est pas vraiment un bloc, puisque ça se mettait au-dessus d'un bloc. Donc, à la limite, ça, je veux bien considérer que c'est de l'animal. Les bonbons. C'est du consommable. Ici, il n'y a plus grand-chose. Bon, bah, c'est déjà ça, hein. Donc. Bon, c'est du consommable. On vient de porter là. L'eau, on le met dans celui du milieu ici. Très bien. Bon, on va s'arrêter là. On a avancé un tout petit peu, mais pas beaucoup. On a vidé cette pièce, ça c'est très bien. Ça nous permettra de voir venir pour la suite. On a rajouté un peu de verre ici sur les murs. Alors, ce que je peux faire, c'est mettre ici un petit signe disant... Hop. On va le mettre en anglais. Très bien. Donc salle de bain, hein, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Ici, on va mettre la chambre numéro 1, donc le chambre des invités. Avec un B majuscule. On pourra mettre comme ça chambre 2, chambre 3, salle de téléportation. Alors, oui, ce que je veux encore faire avant la fin, et ça ce sera pour Arius, et seulement lui. Bah non, en fait c'est mes... Je l'ai monté. C'est pas pour rien. Ici, donc, on va dire... Donc, les builders de la zone. Arius, je vais te faire confiance. J'espère que je ne le regretterai pas. Ok. C'est pas ça. Voilà, Arius. Où es-tu? Je peux te mettre en builder, mais je te conseille de ne pas trop toucher. Mais c'est juste pour que tu puisses... Voilà. Pour que tu puisses venir prendre les lingots de... Les lingots de diamants qu'il y aurait chez moi pour que tu puisses claim ce qu'on avait dit qu'on claimerait à deux. D'ailleurs, je vais encore en fondre plein.
Je pense pas que ça te suffira pour l'instant, mais en tout cas, ne t'en fais pas, je vais encore en faire d'ici là. Donc n'hésite pas à venir les prendre pour faire ton claim d'une zone neutre, où on pourra alors s'échanger des choses, et n'hésite pas à mettre dans un coffre. D'ailleurs, je vais peut-être en faire un tout simplement. Alors, Stone Slab et Stone Rod. Encore et toujours. Donc entre les deux escaliers, il y a un coffre qui peut servir pour toi à déposer des choses plutôt que de les mettre à l'extérieur. Ce sera plus simple. Comme ça, tu peux aussi récupérer les objets que tu as mis à l'extérieur. Voilà. Pour le reste, ben, je vais fondre mon minerai. Ne t'en fais pas. Mon minerai de diamant pour pouvoir claim. Ok. Bon bah voilà, on va arrêter cet épisode-là parce qu'il sera déjà beaucoup trop long. Merci à tous d'avoir regardé, n'hésitez pas, hein, petit commentaire, petit like, abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et on se donne rendez-vous pour d'autres constructions dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Bye!